Message pour la régie, nous sommes prêts. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette séance du conseil municipal du 28 mars 2024. Je vais procéder à l'appel des conseillers. Hervé Florzac, présent. Hamid Bachir, présent, merci. Christelle Saint-Just, n'appuie pas sa peine, présente, merci. Éric Laubry, présent. Merci Éric, présent. Najet Laïche, présente. Présente, merci. Je ne vous donne pas la parole, donc c'est pas... Dona Bas-Boukhari, présent. Présent, merci. Audrey Nakache, présente, merci. Maxime Loubard, présent, merci. Julie Perrigo, Julie est présente, merci. Muriel Tartarin, présente, merci. Siam Toisy, présente, merci. Christine Catarino, présente, merci. Garmia Fayaong a donné son pouvoir à Siam Toisy. Yael Radolani-Rina, présent, merci Yael. Valérie Zwilling a donné son pouvoir à Christine Catarino. Samir Tamine, présent, merci. Luc Dogbet, présent, merci. Jonathan Lebon a donné son pouvoir à Abbas Boukhari. Jérémy Kézac, présent, merci. Thibault Leroux, présent Thibault, merci. Célia Chiac, présente, merci. Olga Durand a donné son pouvoir à Maxime Loubard. Jean-Claude Farin, présent, merci Jean-Claude. Michel Zida, présent. Merci Michel, présente. Pierre Cani a donné son pouvoir à Éric Laubry. Laurent Joussaume, merci Laurence, présente. Frédéric Lippens a donné son pouvoir à Monsieur Rodriguez, à Bruno. Florence Fournier, présent. Merci, présente. Françoise Cordier, présent. Présente, merci. Fabienne Battagliola, présente, merci. Donc Bruno Rodriguez, présent. Merci. Marina Harpon est absente et Brice Randonnera est absent également. Nous avons atteint le quorum, donc nous pouvons démarrer ce conseil municipal. Au préalable, je vais proposer M. Jean-Claude Farin comme secrétaire des séances, s'il l'accepte. Jean-Claude Farin, secrétaire de séance, il l'accepte. Merci Jean-Claude. Désigné d'office. Hein. Presque. Allez, concernant les informations générales, l'ordre du jour du conseil municipal a été affiché en mairie le 22 mars 2024. Il est également publié sur le site internet de la ville. L'ordre du jour du conseil municipal, accompagné des rapports de synthèse, a été envoyé aux élus en amont du conseil par voie dématérialisée le 22 mars 2024. Des questions de l'opposition ont été reçues. Elles seront abordées à la fin du conseil municipal. Je vais juste vous signaler que le point numéro 18 qui est à l'ordre du jour qui concernait l'approbation des conventions de réservation de logements locatifs sociaux est retiré de l'ordre du jour, hein, par faute de légalité. Donc il y a eu un message transmis par la CACP, donc on retire cette note pour le moment, on la repassera certainement au prochain conseil, au mois de juillet. Je profite de ce moment d'information pour rappeler à l'ensemble des conseillers que nous avons un vote à tenir le 9 juin prochain, les élections européennes. Donc je compte sur la présence de toutes et tous pour tenir les bureaux. On a besoin de monde. On a commencé à remplir les tableaux, mais voilà, si je crois que Mme Cordier nous a fait un petit message en retour. Donc on essaiera de caler tout ça avec le cabinet pour que tout soit mis en place comme il faut pour le 9 juin. Voilà. J'en ai terminé avec les informations générales. Nous allons passer donc aux délibérations. Le premier point à l'ordre du jour, il s'agit de l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 8 février 2024. Le rapporteur est Christelle Saint-Just-Capalita. Christelle, tu as la parole. Maire, donc il est demandé à l'Assemblée de bien vouloir approuver le procès-verbal de la séance précédente. Ça marche ? Vas-y, Mme Cordier, vous avez la parole. Oui, oui. Juste un petit détail. Tout à la fin de ce procès-verbal, suite à la question sur la fréquentation du théâtre, vous avez posé comme question, est-ce que c'est assez précis ? Et la réponse du groupe Pour Servir Jouis, c'était en chœur, non. Et le non n'apparaît pas sur le procès-verbal. Et je souhaite que ça apparaisse.
Très bien. Nous procédons aux rectifications sans difficulté. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention ? Il n'y en a pas. Donc nous allons passer au vote pour ce procès-verbal. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Rien de tout cela. Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Deuxième point de l'ordre du jour, il s'agit d'autorisation de signer de l'avenant numéro 3 de prolongation du marché de mobilier urbain et du service vélo 2. Le rapporteur est Christelle Saint-Just. Christelle, tu as la parole. Merci, monsieur le maire. Donc, il est proposé de faire un avenant numéro 3 de prolongation jusqu'au 8 juin 2025 pour le marché publicitaire de mobilier urbain. L'idée est de laisser du temps à la ville de retravailler une nouvelle procédure et du temps également pour l'organisation à la dépose et repose du mobilier urbain. Aussi, il est demandé à l'Assemblée de bien vouloir décider de la conclusion d'un avenant numéro 3 et d'autoriser monsieur le maire à signer. Merci, Christelle. Avez-vous des questions par rapport à cette note ? Pas de questions. Donc, on passe au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Rien de tout cela. Adopté à l'unanimité. Merci, Christelle. Troisième point de l'ordre du jour, il s'agit de l'approbation de la convention de partenariat avec la CACP pour la mise en place d'une plateforme open data mutualisée. Le rapporteur est Christelle Saint-Just-Capalita. Christelle, tu as la parole. Merci, monsieur le maire. Donc, la CACP nous propose un partenariat pour la mise à disposition d'une plateforme open data qui aura pour objectif de rendre accessibles et transparentes les données de la ville. Donc, dans un premier temps, il a été décidé de mettre à disposition la liste des délibérations 2023 ainsi que les marchés conclus en 2023. Donc, nous renforçons la transparence de l'action publique conformément au programme. Et il est demandé à l'Assemblée d'autoriser le maire à signer la convention et de décider la mise en ligne progressive des données publiques. Merci, Christelle. Donc, transparence, ça parle à tout le monde, j'imagine. Pas de demande d'intervention, donc on passe au vote immédiatement. Des votes contre, des abstentions, rien de tout cela. Adopté à l'unanimité. Merci, Christelle. Allez, point numéro 4 de l'ordre du jour. Alors, je regarde Amit parce qu'il a un peu mal à la gorge, donc on est déjà désolé pour cet effort que tu vas faire toute la soirée. On passe au vote des taux d'imposition. Donc, le rapporteur est Amit Bachir. Amit, tu as la parole. Oui, bonsoir à tous, merci. Alors, vote d'imposition, comme à l'accoutumée depuis le début du mandat, nous avons pris l'engagement politique de ne pas modifier les taux d'imposition et par conséquent, il est proposé de les reconduire donc à leur niveau, c'est-à-dire 43,06% pour la taxe foncière sur le bâti et sur le non-bâti à 31,24% et 11,98% pour les taxes d'habitation sur les résidences secondaires, puisque sur les résidences principales, donc elles ne sont pas concernées. Donc voilà, conserver ces éléments-là et autoriser monsieur le maire à signer donc l'état 1259 com. Merci Amine. Donc voilà, on rappelle bien, c'est il n'y a pas de le taux de la part communale n'augmentera pas, je vous tiens encore une année de plus, hein, encore une fois. Elle est à 43,06. Bien sûr, les bases fiscales de l'État vont augmenter, hein, comme on l'a tous entendu. Donc, je sais qu'il y a souvent un petit problème de compréhension à l'extérieur, mais on diffusera l'information encore une fois. Mais on maintient les taux d'imposition. On n'augmentera pas les impôts à Jules Moutier. Y a-t-il des demandes d'intervention ? Je n'en vois pas. Donc, on passe au vote pour ce taux à 43,06. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions, rien de tout cela, donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le cinquième point à l'ordre du jour, il s'agit de l'approbation du compte de gestion 2023. Le rapporteur est Amit Bachir. Amit, tu as la parole. Merci. Alors, le compte de gestion dont on parle chaque année avant l'approbation du compte administratif est tenu par le trésorier public, par Sergi. Et il vous est demandé, en tout cas vous êtes invité à vérifier que les montants qui figurent sur ce compte de gestion correspondent bien aux montants figurant sur le compte administratif qui va venir après, qui montre que la comptabilité notamment a été correctement tenue et vous retrouvez les mêmes montants. En l'occurrence ici, vous retrouvez les résultats en section investissement et en section fonctionnement, et le total des recettes, c'est-à-dire
un déficit en investissement à 954 937 euros et un excédent de fonctionnement à 3 480 000 euros, soit un total de sections à 2 525 000 euros. Merci Hamid pour la présentation. Avez-vous des questions par rapport à ce compte de gestion ? Il n'y en a pas, donc on passe au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Rien de tout cela. Donc adopté à l'unanimité encore une fois. Le point numéro 6 à l'ordre du jour, il s'agit de l'approbation du compte administratif 2023. Donc je vais rester avec vous juste pour la présentation de la note et pour les débats et le vote, je sortirai. Donc Amit, tu garderas ton micro ouvert. Amit, tu as la parole. Merci beaucoup. Alors, comme d'habitude, nous allons présenter ce compte administratif pour reprendre brièvement en quoi cela concerne. Eh bien, le compte administratif fait un point sur l'exécution du budget 2023, donc BP 2023, qui a été exécuté sur l'exercice 2023. Et donc, il s'agit de finalement constater les réalisations effectives en fonctionnement et en investissement, en recettes comme en dépenses. Alors, pour situer globalement toutes sections confondues, le compte administratif s'équilibre à 30 500 000 euros environ pour des dépenses environ de 28 millions d'euros, soit un résultat dégagé qui correspond d'ailleurs à la note précédente sur le compte de gestion de 2 525 998. L'équilibre financier maintenant et analyse dynamique des sections. Donc vous pouvez le voir ici comment cela s'équilibre. On voit tout de suite les deux plus gros pôles en recettes et en dépenses. Donc recettes 22 600 et 20 500 000. On a 68% donc principal poste de recettes de la commune à 15 millions qui correspondent donc à la fiscalité. Et les charges de personnel qui correspondent à 67% des dépenses de fonctionnement. Dotation de l'État à 12% qui diminue mais reste stable quand même depuis quelques années. On est toujours à 12-13% ces dernières années. Charges à caractère général qui ont pas mal évolué et vous le savez, liées au contexte macroéconomique, notamment la hausse des... la hausse des matières premières, de l'énergie, des fluides. Lorsqu'on compare donc ces recettes et ces dépenses, on fait ressortir une épargne brute qui correspond donc à la capacité d'autofinancement de la collectivité à 2 100 000 euros. Cette épargne est importante puisqu'elle va nous permettre bien, d'une part de couvrir les charges de la dette, c'est-à-dire le remboursement des emprunts, et en même temps d'assurer une dynamique d'investissement sur les exercices à venir. La ventilation de ces recettes de fonctionnement, vous les avez ici, donc on retrouve véritablement la fiscalité qui est le point important. Alors bien entendu, normalement ça devrait rester ainsi. Si vous suivez un petit peu l'actualité, vous savez que le gouvernement nous prépare quelques surprises qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Et d'ailleurs, le BP qu'on va présenter après est monté à partir des informations à notre disposition au moment où on a fait les prévisions. Donc je ne sais pas ce qui va se passer au mois de juin, au mois de juillet. Donc on pourra en reparler d'ici là. Mais je crains qu'au mois de septembre, on ait encore des arbitrages à opérer. En l'occurrence ici sur cette exécution sur l'exercice 2023, on a à peu près la même structure que les exercices précédents en exécution de budget, c'est-à-dire 68% fiscalité, à peu près 12-13% dotation de l'État. En dynamique sur les trois dernières années, vous pouvez le constater, donc on a une augmentation des recettes de fonctionnement, 4,4%. En l'occurrence ici, qui ressort environ à 5% sur la fiscalité, qui est due principalement aux bases. Puisque vous le savez aussi, les bases évoluent automatiquement dans les lois de finances, elle est indexée à l'inflation. Par conséquent, les bases augmentant, même si le taux que nous conservons
par engagement politique de ne pas l'augmenter, eh bien, mécaniquement, base étant plus importante, multipliée par le même taux, vous avez une fiscalité qui est plus conséquente. Pour autant, il ne faudrait pas en conclure que cela nous permet d'engranger plus de recettes que d'habitude, parce que nous allons le voir après sur les dépenses, que la totalité de cette fiscalité en surplus a été totalement absorbée et n'a pas été suffisante pour couvrir l'ensemble des dépenses de fonctionnement et précisément celles liées au fluide. Donc ici, on retrouve dotation de l'État, subvention, donc à plus de 10%. On peut passer, donc ensuite, c'est sur... donc oui, c'était la même slide, je l'ai expliqué un petit peu. Donc oui, les subventions, plus 123 000. On a donc ces subventions-là, on pourra en revenir si besoin, c'est-à-dire qu'il y a pas mal d'éléments qui ont évolué positivement grâce à la fréquentation qui a augmenté, que ce soit au niveau de la CAF, que ce soit au niveau des recettes périscolaires notamment. Ouais. La ventilation maintenant des dépenses de fonctionnement, principal poste de dépenses sont les charges de personnel à 67%. Qui est toujours une analyse un petit peu ambivalente, puisque les charges de personnel sont une charge, effectivement, mais ce sont aussi des ressources et ce sont des services. Ce sont des services municipaux. Hein, ce sont les personnes qui servent dans les cantines, ce sont donc toutes ces personnes-là qui œuvrent pour, j'allais dire, assurer un service de proximité, de qualité aux Jocassiens. Donc il est toujours particulier d'aborder et d'analyser ces charges. Il faut essayer d'être au plus juste. Les charges à caractère général, à 26%, qui ont également augmenté, on va le voir dans la slide, d'ailleurs on peut passer à la slide suivante. Voilà, donc on voit tout de suite qu'on a pris 7% de charges à caractère général, on retrouve l'électricité, notamment enfin, les fluides en général, dépenses de gestion courante qui sont automatiquement liées aussi à la fréquentation. Donc on retrouve bien entendu le marché de la restauration, puisque tous les services qui sont externalisés comme la restauration, les cantines, eh bien eux aussi ont été impactés par l'inflation et la hausse des matières premières, et par conséquent ont répercuté dans les négociations de marché, leur tarification. Et également, point important, sur l'atténuation des produits, vous pouvez le voir, donc 76%, 4% sur les dépenses de hausse. Vous en souvenez, on en avait parlé, puisqu'on est passé de bénéficiaire à contributeur pour le FPIC. Et par conséquent, on a complètement retourné la situation, aussi bien que maintenant, on verse pour le FPIC, alors qu'auparavant, on percevait plus de 160 000 euros. Donc là, pour 2023, on a versé 142 000 euros. Cela fait ressortir pour l'exercice 2023 une épargne brute de 2 100 240 euros, soit environ 9,3% d'épargne brute conforme aux exercices précédents. Cette capacité d'autofinancement est très importante puisqu'elle nous permet, comme je l'ai précisé précédemment, d'une part de couvrir nos remboursements d'emprunt, puisque c'est obligatoire de rembourser les emprunts sur des fonds propres, et de garantir une structure financière saine, on le verra notamment dans le BP. L'équilibre est tout de même fragile, puisque vous avez pu constater sur les derniers exercices que la dynamique des dépenses met à mal les finances de la commune. On reviendra dessus par la suite, mais l'augmentation des points d'indice qui ont été décidés au niveau du gouvernement, les chocs exogènes provenant donc des marchés financiers, l'augmentation des taux d'intérêt, etc. Donc toutes ces augmentations-là qui sont généralement, pour la plupart, exogènes, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas liées à des décisions de la commune, impactent et nécessitent pour la collectivité d'être très vigilante sur sa gestion. Du côté des investissements, donc nous avons un équilibre qui s'opère en dépenses à 6,7 millions, 5,8 en recettes. Lorsqu'on intègre les reports qui ont été reportés d'une année sur l'autre, on est à 9,6 millions.
Voilà, vous avez un peu la ventilation qui s'opère ici. L'amortissement des emprunts, je le rappelle, ça correspond à la part de remboursement en capital donc des emprunts précédents, c'est-à-dire on est toujours aux environs de 1 957 000 euros. Quelques opérations non exhaustives, donc quelques points, qui sont pour la plupart, d'ailleurs, pour ceux qui circulent, et vous avez dû le remarquer, sont visibles, puisqu'il y a un certain nombre quand même de groupes scolaires qui ont été refaits, la grande rue bien entendu, l'église, la voirie et d'autres éléments. Alors, cette dynamique d'investissement qu'on vient de citer, qui est très importante et on retrouvera au BP, c'est vraiment un point très important pour derrière maintenir donc une structure financière saine, nécessite une maîtrise de l'endettement. Cette maîtrise, vous le voyez, hein, depuis 2020, cette courbe est assez bien maîtrisée. Elle diminue au fur et à mesure. Le taux d'endettement de la commune, on est à 40%, donc hors exceptionnel, hors report, etc. Et la strate est à 60% pour 2022. On observera également que même la strate, c'est-à-dire la strate, c'est l'ensemble des collectivités à peu près de même taille. Donc nous, on est sur la strate de 10 à 20 000 habitants. Et même sur cette strate-là, on observe quand même une diminution de ces taux. Donc il y a une tendance quand même au désendettement, liée notamment à l'augmentation des taux d'intérêt, mais pas que. On sent qu'il y a quand même une pression qui est assez forte, un effet ciseau qui menace. Et par conséquent, il y a une certaine vigilance. Cette vigilance, vous pouvez l'observer dans ce graphique. Et c'est tout l'enjeu de ce CA et du BP et des BP à venir. C'est comment, j'allais dire, maintenir cette dynamique d'investissement parce que la commune en a besoin, tout en n'hypothéquant pas, tout en maîtrisant, j'allais dire, l'endettement. Donc ici, vous avez 49% donc avec les restes à réaliser, donc 40% de taux d'endettement. L'impact des reports. Donc on intègre l'ensemble des informations, donc les reports de crédit donc qui ne valent que pour les investissements et qui représentent les engagements, qui ont été engagements financiers à la clôture de l'exercice, mais qui n'ont pas encore donné lieu à facturation ou à émission de titres. Donc, vous avez l'ensemble de ces éléments-là et lorsqu'on les intègre, nous avons un résultat cumulé de 2 842 105 euros. Donc en synthèse, vous avez ici les recettes et les dépenses qui s'équilibrent, qui font ressortir un résultat d'exercice à 2,8 millions, un taux d'épargne brut un peu plus de 9%, 9,3%. On a une maîtrise des dépenses inférieure à l'inflation, une diminution de l'endettement bien inférieure donc à la moyenne des communes de même taille, mais une commune qui reste sujette à une menace d'effet ciseau et éventuellement de décision gouvernementale qui pourrait venir prochainement. Donc la décision, constater que le compte administratif, dans un premier temps, concorde bien avec la note précédente du compte de gestion. Vous retrouvez exactement les mêmes chiffres et approuver le compte administratif comme suit. Merci. Je quitte la salle. Y a-t-il des remarques ou questions ? Oui, là, ça marche. Bon, juste quelques petites questions. J'aurais voulu savoir, dans les recettes fiscales, quelle est la part de la taxe d'habitation. Je sais que maintenant, comme il y a des résidences secondaires, il y a peu de résidences, ça n'implique que des résidences secondaires. J'aimerais savoir quand même cet impact et l'impact sur les fonciers non bâtis. Est-ce que je peux avoir ces renseignements ? C'est
Alors, je ne sais pas si on les a les uns. On les a. On lui transmet. Le montant. Ah oui, mais il faut la retrouver. C'est bien le montant et non pas le pourcentage. Enfin, le montant. Mais le montant, oui. Ou le pourcentage. Enfin, non, c'était pour avoir une idée, savoir si à Jouy, il y a encore des, il y a des résidences secondaires et savoir s'il reste du foncier non bâti et à peu près son niveau, quoi. On va vous. Si vous avez d'autres questions, juste le temps de trouver l'information. Voilà. Alors, ma deuxième question, c'est aussi, j'aimerais savoir. Je sais que je vois que le coût de l'énergie, vous estimez qu'il a augmenté de, je crois, 262 000 euros, c'est ça ? Il me semble avoir lu ça quelque part. Est-ce que je pourrais avoir le montant global sur 2023 du coût de l'énergie pour pouvoir le comparer avec le BP 2024 ? Alors, quand vous sais que vos économies se sont passées de manière partielle sur l'année 2023, mais j'aimerais quand même avoir une idée. Ça me permettrait de comparer avec le budget que vous prévoyez pour 2024. Donc, vous voulez connaître le montant de coût du coût de l'énergie. Quand vous mettez énergie, vous mettez quoi dedans ? Les fluides, tous les fluides. Gaz, électricité. Voilà, gaz, électricité. Alors, je vais répondre à la première question donc sur les résidences, secondaires. Pardon. Oui. Nous sommes à 654 000 euros. De résidences, de recettes hop, ça fait quand même. Vous êtes sur la. Oui, ce sont les bases. Ah oui, non, moi je veux. Ensuite, on a donc à 11,98 et on obtient un produit à 78 354 euros. Pour le foncier. Page 134. Le foncier non bâti. 137. Non, non, je vous parle de la taxe d'habitation. Vous m'avez posé la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Les recettes de taxe d'habitation sont de 318 000 euros, c'est ça ? Non. Si, sur les résidences secondaires. Taxe d'habitation sur les résidences secondaires, 78 000. 78 000 euros, oui, d'accord. Page 137. Oui. Et les fonciers non bâtis ? Alors, attendez. Nous sommes à 21 868 euros, toujours la même page, le même tableau. D'accord, merci. Donc la question suivante, c'était sur l'énergie, donc ouais. Le coût de l'énergie en 2023. Donc ça, on va vous le donner également. D'accord. Alors après, je fais juste une remarque sur vous me parlez de la baisse des recettes billetterie, et je pense que ça rejoint notre inquiétude sur la programmation du théâtre qui ne nous semble pas du tout satisfaisante. Et cette baisse de recettes billetterie est peut-être la conséquence de la programmation. De la moins bonne programmation. D'accord. Je passe la parole à Muriel Tartarin. Alors, comme vous le savez, dans le programme culturel, nous avons la partie spectacle et la partie hors les murs. Effectivement, c'est en totale gratuité, accessible à tous les habitants. Donc, il y a une baisse de la billetterie, peut-être une baisse des recettes, mais qui est compensée par de la subvention. Donc, il y a un équilibre financier, je vous rassure. Favorable aux jocassiens. Merci, Muriel. Alors, ma dernière question, c'était sur les restes à réaliser, et en particulier sur la vidéoprotection. Je trouve que... pourquoi il y a autant de restes à réaliser sur la vidéoprotection, 63 000 ? Je ne me rappelle plus combien on avait budgété. Et ça se rapproche de notre inquiétude sur l'augmentation des vols d'automobiles, des vols de capots, d'optique. Et je pense que la vidéoprotection aurait quand même une conséquence. Et je m'étonne qu'il y ait encore tant de restes à réaliser sur la vidéoprotection. Tu veux répondre ? Tu veux répondre sur la vidéosurveillance ? Bah, c'est... Ouais. C'est bon ? Oui, Eric. On a fait 20 000, il reste 60. Madame Cordier, oui. La vidéoprotection ne va pas servir à éradiquer l'ensemble des méfaits sur la ville. Hein. Ça peut aider. Je vous rassure. C'est dissuasif, certes. Sur les retards, en fait, on a eu un souci avec notre prestataire, SPI, qui a dû se réorganiser de façon interne au niveau de ses services, qui a donc suscité quelques retards. Maintenant, le reste à réaliser, on est sur du budget, là. C'est pas le reste des travaux à faire.
C'est deux choses complètement différentes. Mmh. Je vous rappelle que sur la vidéo, on a installé dernièrement donc, la vidéo sur le rond-point à Saint-Jacques. Là, on est en train de terminer la sortie de ville concernant Maurecourt, concernant Vauréal. Hein, parce que Maurecourt, comme vous le savez, on termine la quatrième tranche de la réhabilitation de la Grande Rue. Et donc, il a fallu passer la fibre jusqu'aux alentours à peu près du radar poids lourd, où là, on mettra une caméra. Et voilà, c'est le travaux. La vidéosurveillance, c'est généralement le génie civil qui prend beaucoup de temps et qui coûte cher. Alors après, on va trouver d'autres systèmes pour avancer un petit peu plus vite concernant la vidéo. Mais les retards, sont pas toujours de notre fait. Et là, c'est parce que notre prestataire, il y a eu des réorganisations comme ça paraît bien dans les entreprises. Là, on a repris contact avec eux. Les équipes se sont remises en bon ordre, si je puis dire. Et d'ailleurs, on refait un point prochainement avec eux pour revoir un peu et l'implantation des nouvelles caméras et la réimplantation des caméras actuellement existantes qu'on pourrait faire bouger ici ou là. Merci. C'est tout, si vous avez d'autres questions. Là, je l'éteins. Merci. Avez-vous d'autres questions, remarques? Le coût de l'énergie, vous pouvez me répondre. Oui. Alors, le coût de l'énergie, nous avons 1 658 015 euros. D'accord. Donc, crédit ouvert, mandatement donc, à 969 000 et 367. Donc, l'addition des deux vous donnera, donc c'est 1 658 000. Page 22, si vous souhaitez jeter un coup d'œil. Je rajoute peut-être un point sur les restes à réaliser. C'est vrai que c'est important de le signaler. Ce sont des engagements financiers qui n'ont pas de lieu à facturation. Donc, ça n'a pas, pas beaucoup d'importance dessus. C'est vraiment l'enveloppe en tant que telle. S'il n'y a pas d'autres remarques, je mets au vote. Alors, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Alors, est-ce que vous avez des pouvoirs pour que je sache un peu? Oui, il y a un pouvoir. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est 6, 6. Très bien. Ah oui, attends, je vais le faire. Je vous remercie. Donc, le compte administratif est adopté à l'unanimité, c'est ça? Abstention. L'unanimité, des voix exprimées. Merci bien. Et on peut rappeler Monsieur le maire. On va laisser Hamid récupérer un petit peu. Merci Hamid. Alors, c'est pas facile ce soir. Allez, point numéro 7 à l'ordre du jour. Il s'agit de l'affectation du résultat 2023. Et le rapporteur est Hamid. Tu as donc la parole. Merci, monsieur le maire. Alors, nous venons d'approuver donc, le compte administratif et par conséquent, vous avez pu constater les résultats. Vous les avez ici à l'écran sur l'excédent de fonctionnement, déficit d'investissement, excédent de fonctionnement en 2022 en fonctionnement et en investissement. Et donc, il est proposé, premier point, une affectation partielle de l'excédent de fonctionnement au financement de la section investissement à hauteur de 1 480 934 000 euros, 90. Et il est proposé que le solde, l'affectation du solde de 2 millions d'euros soit reportée à la section fonctionnement du budget primitif 2024. Donc, il est demandé à l'Assemblée de bien vouloir approuver ces propositions. Pardon. Merci, Hamid. Avez-vous des questions à l'Assemblée? Pas de questions, on passe au vote directement. Des votes contre? Non? J'ai le bras qui a bougé un petit peu là. Ça a failli dégainer. Des abstentions alors? Voilà. Donc il y en a. Alors ça fait 6, puisque. Voilà, 6 abstentions. Donc adopté à l'unanimité, 6 abstentions. Merci. Huitième point à l'ordre du jour, il s'agit de l'approbation du budget primitif 2024. Le rapporteur est Hamid Bachir. Hamid, tu as la parole.
Alors, donc nous avons dans la continuité après le compte administratif et l'affectation des résultats passé donc au budget primitif après une brève présentation donc des enjeux, équilibre général, et on garde à peu près donc la même structure de présentation. Donc sur ces enjeux, vous avez ici les différents éléments qu'il faut garder à l'esprit dans la construction du budget, ou ceux en tout cas qui nous ont guidés dans cette réflexion. Tout d'abord, les effets donc macroéconomiques qu'il faudra garder, donc l'incertitude, j'en ai parlé tout à l'heure, au niveau international bien entendu, mais au niveau national encore plus, puisque le ministre nous a bien précisé qu'il fallait trouver de l'argent et qu'il n'est pas exclu que les collectivités territoriales, en dehors du fait de la proposition de taxes, enfin de, j'allais dire, de s'intéresser aux chercheurs d'emploi, il n'est pas exclu que les collectivités territoriales soient invitées à contribuer à l'effort de redressement des finances publiques, comme c'est le cas depuis quelques années. De l'autre côté, donc, on a une hausse des dépenses de fonctionnement mécanique. Encore une fois, ici, l'inflation, le contexte international, mais également les décisions de valorisation du point d'indice, de refonte des grilles indiciaires, etc. Bien entendu, la réflexion a été menée avec cette volonté politique de conserver ces priorités politiques qui ont été fixées dans le programme lors de notre élection et tout au long du mandat, c'est-à-dire l'éducation, jeunesse éducation, les solidarités et cadre vie, transition écologique. De l'autre côté, bien pour pouvoir, j'allais dire, intégrer l'ensemble des effets macroéconomiques que je viens de citer et respecter nos engagements et nos priorités politiques, eh bien il y a un certain nombre d'éléments qu'il faut prendre en compte. Il faut d'abord, c'est un engagement, ne pas augmenter les taux d'imposition, ça a été voté précédemment, donc ça c'est fait. Il ne faut pas que ces arbitrages et la construction de ce budget se fassent au détriment de la qualité des services municipaux de proximité. Ça, c'est important. Et donc, nous nous sommes engagés à conserver cette qualité quantitativement également. Cela suppose également, puisqu'on est dans une perspective, j'allais dire, de transition écologique, mais également de durabilité, c'est-à-dire d'une projection à long terme, eh bien, intégrer cette maîtrise de l'endettement que j'ai exprimée tout à l'heure et cette inquiétude sur l'endettement et poursuivre cet effort de maîtrise de l'endettement. Et enfin, eh bien, inscrire les projets d'investissement que j'aime à les appeler d'avenir et qui, ces projets d'investissement, doivent s'inscrire dans une dynamique, j'allais dire, qui nous permette de réduire la pression que nous avons pu observer sur le fonctionnement. Par conséquent, les investissements doivent nous permettre de dégager des marges sur la section fonctionnement. L'équilibre général du budget est donc en recette à 30 500 000, 29,3 en dépenses, soit une épargne brute à peu près équivalente à celle prévue lors du CA et du PP précédent, c'est-à-dire à 2,5 millions, donc une légère hausse, en reprenant quelques restes à réaliser à 300 000. En dynamique, donc sur la section fonctionnement, donc on retrouve les principaux postes qui restent les mêmes, charges de personnel, plus 4%, fiscalité donc à environ 12 millions d'euros et dotation donc à 6,5 qui sont relativement stables, et on observe donc le report de résultats à 2 millions d'euros qui a été décidé précédemment et une épargne brute à 2,5 millions. Les dépenses et les recettes.
Je vais y arriver. Il me reste encore quelques notes après. Donc sur les dépenses et sur les recettes, les principaux postes que l'on observe, notamment en recettes, la hausse de la fiscalité de 1,4, on en a parlé notamment, hausse des subventions sur la fréquentation, optimisation et hausse des fréquentations et hausse des produits de services, plus 12% avec une nouvelle tarification et une hausse des fréquentations également. Sur les dépenses, on retrouve le principal poste qui sont les charges de personnel à plus 4%. C'est quand même plus de 1,5 million d'euros en plus sur les charges de personnel, alors que je le rappelle, quantitativement, le nombre d'agents sur la ville n'a pas bougé. Donc on a mécaniquement chaque année des hausses très importantes qui sont dues à des décisions qui ne sont pas de notre ressort. Et donc en dehors bien entendu de l'effet GVT qui existe, mais les décisions donc sur l'indice et sur les grilles tarifaires, donc les refontes. Sur la gestion courante, on devrait maintenir une certaine stabilité, plus 0,3%. Donc on retrouve cette évolution par rapport au BP 2023, recettes fiscales plus 1,7, donc principalement dû aux bases fiscales qui ont augmenté. Les dotations donc à 1,9%, mais ce sont surtout les subventions où on observe une hausse, puisqu'il est attendu une hausse également de la fréquentation. Les produits de recettes et des domaines, donc plus 11%. Idem, donc on retrouve hausse de fréquentation et la tarification. Donc notamment, c'est sur la cantine et la hausse de la fréquentation. Et on a donc le report tout en bas, donc à 0% de 2 millions de l'affectation des résultats antérieurs. Sur la dynamique des dépenses, sur 2023-2024, vous voyez donc l'augmentation des charges de personnel. Ici, encore une fois, on a plus de 500 000 euros. L'emprunt consolidé, les frais financiers, donc 8,91%. Donc ce sont les emprunts consolidés 2023, si consolidés en 2024, bien entendu. Autre, donc ce sont les charges d'intérêt. Charges d'intérêt avec cette augmentation donc, des taux d'intérêt sur le marché financier. Autre dépense donc à 7% et moins 96%. Alors tout simplement, je le rappelle, on a changé de normes budgétaires et comptables au début de l'exercice précédent. On est passé donc de M14 à M57 et par conséquent, il y a eu des modifications dans la répartition qui amènent à cette distorsion où on a d'un côté plus 7% et de l'autre moins 96%, tout simplement parce que certains postes ne sont plus considérés comme exceptionnels et ont été remontés. Pour l'épargne brute et l'épargne nette, donc nous sommes à 10%, donc en légère hausse par rapport à l'exercice précédent, c'est-à-dire au CA, mais conforme au BP 2023, donc on est à peu près à l'identique, et donc une épargne brute à 2,4 millions d'euros en net, c'est-à-dire après le remboursement du capital emprunté, seront à 1 382 358 euros. En section investissement, donc 7,1 millions d'euros, donc dépenses d'investissement réelles à 5 millions. L'objectif ici était très clairement de préserver cette dynamique d'investissement en maîtrisant l'endettement, on va le voir par la suite. Puisque ces investissements, il faut bien les financer, et vous le savez, soit on finance par fonds propres, soit on finance par des fonds extérieurs. Les fonds propres, c'est l'épargne brute, vous voyez, à 2,4 millions. Nous avons la FCTVA qui provient donc de tous les achats, toutes les acquisitions donc, d'immobilisation effectuées sur l'exercice précédent et dont on récupère la TVA. Certaines cessions ou subventions sur des projets spécifiques. Et il est prévu un emprunt à 500 000 euros qui sera présenté juste après. Et donc, on retrouve 1 million d'euros l'amortissement de l'emprunt, c'est-à-dire le remboursement en capital de la dette, et l'excédent et le déficit reportés. La ventilation de ces dépenses d'investissement, principalement, on retrouve ici
Bien, conformément aux priorités qu'on avait fixées au début de cette présentation, hein, je le rappelle, la jeunesse et l'éducation. Donc vous pouvez le voir que le plus gros pôle, ici en bleu, correspond donc au principal poste d'investissement, ce sont les écoles. Vous avez quelques illustrations, ne serait-ce qu'à côté, notamment sur, sur l'isolation thermique, entre autres, la voirie, bien entendu, et d'autres infrastructures. Enfin, donc, les APCP, autorisation de programme et crédit de paiement. Donc, quelques modifications ici, notamment acquisition des surfaces commerciales, qui a été révisée. Et vous avez les autres postes à votre disposition. Et enfin, pour respecter l'ensemble de ces éléments-là, donc il y a une, je l'ai précisé, donc pour garder cette dynamique d'investissement, eh bien, il faut de l'argent. Et cet argent, soit on arrive à dégager des marges de manœuvre sur le fonctionnement et donc sur l'épargne brute, avec des possibilités de fléchage, d'aller chercher de l'argent sur des subventions, des projets spécifiques, et également eh bien, le levier endettement qu'il faut actionner, mais en gardant la maîtrise. Donc, en l'occurrence, ici, il est prévu un taux à 49%. Donc, on va essayer de continuer donc, cette diminution, donc près de 2,3% par rapport au BP 2023 qui était à 50%. Et donc, un emprunt à 500 000. Vous pouvez le constater également si vous vous souvenez de ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire que nous avons un remboursement d'emprunt sur l'année qui est à peu près à 1 million d'euros chaque année. Par conséquent, le fait d'emprunter moins que ce que l'on rembourse, on se désendette automatiquement. Donc en l'occurrence, ici, c'est l'objectif, c'est de garder une dynamique d'investissement tout en diminuant le taux d'endettement. Et en l'occurrence, donc, on poursuit cette politique de désendettement en 2024. Petite synthèse qui reprend donc en section fonctionnement et en section investissement. Les objectifs qui sont rappelés, qualité du service public sans augmentation d'impôts, préserver l'autofinancement pour maîtriser l'endettement et garder une dynamique d'investissement et optimiser donc les taux de réalisation. L'ensemble de ces objectifs politiques, vous allez un peu trop vite pour moi, l'ensemble de ces objectifs politiques, vous me donnez du travail, l'ensemble de ces objectifs politiques, donc se traduisent de la manière suivante. Vous pouvez voir que l'épargne brute qui est dégagée nous permet donc de financer une partie des dépenses d'investissement, de rembourser donc nos dettes et de couvrir l'ensemble des déficits d'investissement de l'exercice précédent. Merci. Le dispositif de la décision, donc il est demandé à l'Assemblée de bien vouloir acter l'ensemble des éléments qui ont été présentés. Merci Hamid, merci pour l'effort. Avez-vous des questions par rapport à ce budget primitif ? Appuyez dessus. Même Cordier. Ça marche, oui. Bon, page 4, dans les charges du personnel, vous mettez le surcoût des élections européennes pour 4 euros. Est-ce que la préfecture ne rembourse pas ces surcoûts ? Il ne semble pas. Non. Non ? Non, il ne rembourse pas. Il n'y a pas de remboursement. Il n'y a pas d'aide pour les élections. Non. D'accord, c'est juste une question. Alors là, page 5. C'est toujours la page 4. Ah oui. D'accord. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur la mise en place d'une enveloppe budgétaire exceptionnelle visant à faire face aux besoins de remplacement du secteur de l'éducation pour 100 000 euros? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi? Je pose la question à l'administration, mais effectivement, ce qu'on a décidé, c'est de mettre une enveloppe de 100 000 euros en cas de besoin. Pour faire quoi exactement? En cas de besoin, en cas de remplacement, de matériel, défectueux, voilà. C'est une enveloppe qui est mise de côté, voilà, qui est là, prête à être actionnée s'il y a un besoin, un four qui tombe en panne, un frigo. Mais vous mettez ça dans les charges de personnel? Ah, c'est...
C'est bon ? C'est pas un frigo ? Oui. C'est pas l'investissement. Non, non. Là, on est sur de la RH, c'est-à-dire qu'au cours de l'exercice, on va parler simplement, on a un personnel qui, pour certains, vieillissant, et on observe parfois des arrêts maladie et autres, et il faut réagir assez rapidement dans une enveloppe budgétaire qui est celle qu'on vote en début d'année. Et par conséquent, on ne peut pas s'amuser à repasser en conseil municipal pour essayer de faire une décision modificative de budget, parce que il faudrait recruter. Je le rappelle, hein, un titulaire donc, est payé lorsqu'il est en maladie, mais nous devons aller chercher un remplaçant et qu'il faudra payer également. Donc il faut prévoir cela. Et donc cette enveloppe n'est vraiment pas très très importante. Lorsqu'on regarde les 14,5 millions d'euros de RH sur la commune. C'est la juste c'est la lecture de la ligne, excusez-moi, je reprends la parole par rapport à ça, c'est bien marqué en cas de remplacement. Oui. Donc c'est marqué dessus en fait tout simplement. C'est la première année où vous mettez ça, non ? Alors, oui, et ça existait auparavant, mais on ne le faisait pas ressortir tel quel. C'est-à-dire que, pour dire les choses simplement, sous le mandat précédent, on prévoyait un petit surplus parce qu'on savait très très bien qu'on pouvait être, on devait à un moment donné avoir, être confronté à des situations telles que celle-ci. Bon, alors ça c'est la page 4. La page 5, où est-ce que vous... La page 5... Vous mettez que la subvention du CCAS ne bouge pas, ça c'est bien vrai, mais d'un autre côté, vous augmentez le remboursement sur rémunération de 5%, je crois que c'est 14 000 euros. Donc finalement, globalement, la subvention du CCAS, elle a un peu baissé. C'est une remarque, mais c'est vrai. Alors, non, c'est pas vrai. je vais vous expliquer pourquoi. Non mais alors déjà effectivement on maintient malgré vous voyez l'équilibre financier qui et l'incertitude qui entoure le CCAS qui je le rappelle l'an passé également avait fait l'objet d'une augmentation. Donc ça c'est déjà ça rentre dans la politique solidarité qui est assez importante. La deuxième des choses, le remboursement sur rémunération n'a rien à voir avec ce côté ping-pong que vous souhaitez souligner en l'occurrence ici, c'est simplement légal, réglementaire. C'est-à-dire que vous le verrez, je crois qu'on l'a déjà passé, il me semble, sous le conseil précédent, la commune met à disposition du CSAS des agents. Or, ces agents, lorsqu'ils sont titulaires, finalement, il y a un retour sur le budget du CSAS. Lorsqu'ils ne sont pas titulaires, il n'y a pas ce retour-là. Par conséquent, lorsque on affecte un agent, à un moment donné, l'année dernière, il n'était pas titulaire, il est devenu titulaire, ça augmente le remboursement sur rémunération. Donc ça n'a strictement rien à voir. C'est quand même un choix, on n'est pas obligé de le faire. Je ne pense pas. Comment ça ? Je ne pense pas qu'on est obligé obligé d'interpréter et de dire que parce que c'est un personnel titulaire, d'un seul coup, on l'impute à 5%. C'est une appréciation que vous pouvez faire ou pas faire. Mais on a des budgets séparés, on n'a pas les mêmes budgets. Oui, je sais, mais vous n'êtes pas obligé de faire cette interprétation-là sur les 5%. On n'est pas obligé de respecter la loi, c'est vrai, mais on préfère la respecter. Ce n'est pas une histoire de loi, c'est une histoire d'interprétation. Ah non, c'est pas une... soit on est titulaire, soit on n'est pas, c'est pas une interprétation. Non, mais l'appréciation de 5%, c'est une interprétation. Ah oui, alors si vous parlez des 5%, les 5%, c'est le prorata temporis de son intervention, c'est-à-dire le temps qu'elle passe. Oui, ça c'est une interprétation. Non, c'est le temps qu'elle passe. Non, mais à un moment donné, on peut interpréter beaucoup de choses, mais en l'occurrence, quelqu'un qui intervient une journée dans la semaine, par exemple, c'est une journée dans la semaine. Il n'y a pas à interpréter ou considérer que c'est plus ou c'est moins. C'est ainsi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il travaille pour le CCAS, il ne travaille pas pour la collectivité parce que ce sont deux budgets qui sont séparés comptablement. De toute façon, oui, ça reste de toute façon communal puisque l'enveloppe, en l'occurrence, des 265 000, c'est quand même une enveloppe communale. Bon. Non, mais tu le fais ou tu le fais pas. Bon, page 6,
La DCP, c'est ça. C'est 400 000 euros. Qu'est-ce que c'était et pourquoi c'est supprimé? Page 6, 7, l'acquisition des surfaces commerciales. Les 400 000 euros, qu'est-ce que c'était et pourquoi c'est supprimé? Ça concernait quoi? Alors, c'est pour la Poste. Hein. C'est une question que vous avez posée en fin de... C'est la PCP, c'est l'AP de la Poste, en fait. Du local de la Poste. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de Poste? Ça veut dire quoi? Ben non, ils sont maintenus. C'est juste qu'ils ne sont pas mis en crédit de paiement. Donc, l'AP est bien là. Je ne comprends pas. Est-ce qu'il y aura une Poste? Je crois qu'il y a une Poste sur Joumoutier, puis elle sera à Joumoutier, bien sûr. Ouais. Mais c'est la question que vous avez posée à Paul. On n'achète plus le local. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Je ne vais pas répondre à une question que vous m'avez posée pour la fin. Donc, oui. Si je commence à répondre aux questions de la fin, autant pas, on en répond maintenant là, et on ne répondra pas après. Quoi. Donc, bon. C'est dans le BP. C'est dans le BP quand même. Donc, Je vais donner une réponse sur le BP, puis ensuite, comme ça, il y aura la réponse un peu plus politique. En l'occurrence, ici, les APCP, donc autorisation de programme et crédit de paiement, c'est lorsqu'on programme sur le court terme, donc AP sur le long terme, CP sur le court terme, qu'on va réaliser un investissement. En l'occurrence, ici, il a été donc décalé techniquement, donc d'un point de vue comptable, et que par conséquent, il ne sera pas engagé sur le BP. C'est pour ça que vous avez zéro et que vous avez une mise à jour. Maintenant, la réponse plus politique, etc., je laisserai le maire la donner. Mais en l'occurrence, ça ne signifie pas que le local ne sera pas là ou autre. D'accord. C'est simplement que sur le BP 2024, il n'y sera pas. D'accord. Voilà. Bon. Alors après, vous avez des questions sur les travaux, non? L'investissement. C'est pas notre budget, c'est pas notre politique. Oui, oui. Plus d'autres questions? Vous en avez? Non. Allez, merci Hamid. On passe au vote. Donc, pour cette note de budget primitif 2024, y a-t-il des votes contre? 6 votes contre, des abstentions, il n'y en a pas, donc adopté à la majorité. Je vous remercie. Merci Hamid. Et c'est pas fini. Voilà. Allez, le 9... Ah, et puis, il y a aussi un vote pour les APCP. Il y a deux votes. Hein. Il y a un vote pour le budget primitif et pour les APCP, y a-t-il des votes contre? Des contre? Non, oui, peut-être. On ne sait pas. Si? Là, j'en vois 5, 6. 6 votes contre pour les APCP. Des abstentions? Je n'en vois pas. Donc, adopté à la majorité. Merci beaucoup. 9e point du jour, à l'ordre du jour, pardon. La modification de la liste des emplois ouvrant droit à une concession de logement pour nécessité absolue de service. Le rapporteur est Hamid Bachir. Hamid, tu as la parole. Merci. Écoutez, c'est simplement une mise à jour des logements communaux donc, qui sont utilisés. En l'occurrence, ici, vous avez donc la liste des logements occupés pour nécessité de service. Concernant donc les écoles, vous voyez qu'il y a deux suppressions. Donc le gardien donc au niveau des retentis et donc le logement donc retentis qui n'existe plus hein, et donc celui des égorés. Je rappelle que l'école avait donc et le logement avait été supprimé mais n'avait jamais été mis à jour dans la liste. Deuxième élément, ce sont les logements. Sur les autres logements, donc équipements communaux. Et vous voyez que le gardien donc, du parc communal, donc le logement, a été supprimé également. Donc ce sont ces trois éléments-là qui sont retenus dans la note. Ensuite,
Impact au niveau des ressources, donc il est proposé une augmentation forfaitaire de 10% donc sur la redevance mensuelle sur les charges courantes afférentes au logement. Vous savez, on a ces logements-là ne bénéficient pas d'un compteur individuel et par conséquent, ils payent notamment donc, un forfait qui s'évalue à 175 euros. Donc, impact sur les ressources 180 euros donc, par an par logement, représentant une hausse annuelle de 1620 euros. Il est demandé à l'Assemblée de bien vouloir donc, approuver ces propositions, cette modification. Merci, Hamid. Avez-vous des questions ? Pas de questions, donc on passe au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Rien de tout cela. Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Le point numéro 10 à l'ordre du jour, il s'agit de l'approbation d'une convention de bénévolat. Le rapporteur est Hamid. Hamid, tu as la parole. Merci. Approbation de la convention de recours au bénévolat. Alors là, c'est simplement pour donner un cadre juridique aux bénévoles. Auparavant, on avait recours donc au bénévolat, mais il n'y avait pas de cadre juridique. Et l'objectif ici, c'est simplement de mettre en place donc ce cadre juridique pour un certain nombre de personnes qui seraient amenées à intervenir bénévolement pour la collectivité. Donc vous avez l'ensemble des éléments qui sont précisés. Ces bénévoles, bien entendu, agissent de façon temporaire et gratuitement pour le compte de la collectivité, avec laquelle donc ils n'ont aucun lien direct de subordination. Hein, c'est le cas notamment à la médiathèque où on trouve quelques personnes. Et donc il est demandé à l'Assemblée de bien vouloir approuver ce recours au bénévolat, les termes de la convention cadre, et autoriser Monsieur le maire à signer les conventions. Merci. Merci Hamid. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette note ? Il n'y en a pas, donc on passe au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Rien de tout cela. Adopté à l'unanimité. Allez, une dernière pour la route. Onzième point de l'ordre du jour, il s'agit de la modification du tableau des effectifs. Hamid, tu as la parole. Oui. Donc le tableau des effectifs, bon, chaque conseil municipal, il revient. Comme ma voix, j'espère qu'elle va revenir. Donc, en l'occurrence, ici, ça concerne deux postes. Ça concerne deux postes. Le poste de chef de service patrimoine public et de chargé de patrimoine. Donc, vous avez la modification qui est opérée ici. Mais ça ne change en rien le nombre de postes sur la commune. Hein, il n'y a pas de poste en plus ou moins. Et donc, il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette modification de poste. Sur ces deux postes, ici, il est précisé que les dépenses correspondent à celles inscrites au budget. Merci, Hamid. On a fini pour parler, mais tu as encore deux choses à faire avant de partir. Est-ce que vous avez des questions, des demandes d'intervention ? Il n'y en a pas, donc on passe au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Rien de tout cela. Merci, Hamid. Donc, adopté à l'unanimité. Le point numéro 12 à l'ordre du jour, il s'agit de l'approbation de la convention avec la CACP pour la mutualisation de la gestion des espaces arborés. Le rapporteur est Éric Lobry. Éric, tu as la parole. Merci, Monsieur le maire. La communauté d'agglomération nous propose de mutualiser la gestion du patrimoine arboré vieillissant sur la ville car datant de la création de la ville nouvelle. Mutualisation qui présente plusieurs avantages, tels d'échanges de savoir-faire, de bonnes pratiques entre la ville et l'agglo, une plus grande cohérence et continuité dans l'aménagement du territoire, le renforcement de la biodiversité en milieu urbain, cohérence territoriale pour un meilleur cadre de vie des habitants. Une convention qui est proposée pour une durée de 3 années avec un impact financier pour la commune de 3513 euros qui a été calculé selon la superficie de boisement sur la ville estimée à environ 10 hectares. Il est demandé donc au conseil municipal d'approuver cette convention et d'autoriser monsieur le maire à la signer. Merci Eric. Avez-vous des questions ?
Pas de questions, on passe au vote. Des votes contre, des abstentions. Rien de cela adopté à l'unanimité. Merci Eric. Le point numéro 13 à l'ordre du jour, il s'agit de l'approbation de la convention avec la sauvegarde 95 dans le cadre du chantier d'insertion vélo-service. Le rapporteur est Christine Catarino. Christine, tu as la parole. Merci Monsieur le maire et bonsoir à tous. Oui, j'étais très pressée d'intervenir. Il me revient donc de vous présenter cette convention qui, si la note est votée, liera la ville de Jouy-le-Moutier et l'association Sauvegarde 95 pour la réalisation de 10 ateliers de réparation de vélos sur la ville. Ces ateliers de réparation se réaliseront dans le cadre d'un chantier d'insertion. Chantier d'insertion qui permettra en fait d'employer des personnes en situation d'exclusion, personnes qui habitent la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise. Pourront donc travailler dans ces chantiers d'insertion et donc de réparation de vélos sur la ville, des jeunes en difficulté d'insertion, qu'ils soient en difficulté d'insertion sociale ou professionnelle, sans qualification, issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Ce pourront être aussi des bénéficiaires des minima sociaux ou des demandeurs d'emploi de longue durée. Il est intéressant, je trouve, pour nous de nouer cette convention avec la sauvegarde 95 parce que cela nous permet en fait de poursuivre à la fois nos objectifs sociaux, des objectifs sociaux et des objectifs environnementaux. En ce qui concerne les objectifs sociaux, je voudrais dire que cette action, en fait, je crois qu'elle s'inscrit dans la ligne d'autres actions que nous avons menées concernant notamment la déprécarisation de certains personnels de mairie. Parce que même si Hamid disait tout à l'heure à raison que l'augmentation du taux d'indice des fonctionnaires est un élément exogène sur lequel la mairie n'a pas de prise, nous avons tout de même mené des actions de déprécarisation des personnels personnels de mairie, par exemple. C'est un exemple parmi d'autres. En ce qui concerne les objectifs environnementaux qui sont poursuivis grâce à ce chantier d'insertion, évidemment, quand on répare des vélos, en fait, on n'en achète pas de nouveaux. Et donc, ça permet en fait d'économiser à la fois de la matière première, ça permet d'économiser des ressources. C'est en fait une politique publique qui promeut le réemploi, qui s'inscrit dans l'économie circulaire, et c'est très important. Ensuite, tout le monde ici sait très bien que lorsqu'on fait du vélo, on fait de l'exercice, c'est profitable à la santé. C'est encore un point très positif de ce projet. Et ensuite, évidemment, quand on fait du vélo, on pollue moins et c'est moins bruyant que la bagnole, pour reprendre une expression usitée par notre président de la République. Sauf quand on est un mordu de la sonnette. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Ces repair vélos vont se tenir de mars à octobre 2024, les samedis de 9h30 à 12h30 près de la médiathèque. Certains seront peut-être délocalisés, deux ou trois peut-être dans l'année. Ce qui est intéressant pour nous, c'est que Vélo Service, donc ce chantier d'insertion, ne proposera pas seulement des petites réparations, mais permettra aussi à tous ceux qui le souhaitent de s'essayer au vélo à assistance électrique. C'est pas si facile. Et ce chantier d'insertion permettra aussi, ces ateliers de réparation de vélo permettront aussi de promouvoir en fait les mobilités douces. C'est un autre objectif que nous recherchons. Ensuite, dans le cadre de ces ateliers de réparation, nous avons voulu inviter des associations de cyclistes, mais pas que, d'autres associations, qui vont pouvoir tenir des stands d'information. Ça pourrait être des stands d'information, que sais-je, sur la promotion des mobilités douces, mais aussi, par exemple, sur le tourisme sur Jouy-le-Moutier et sur l'agglomération. Nous allons aussi, par exemple, proposer un stand d'information sur la tenue de Repair Café, parce que sachez que bientôt seront organisés aussi des Repair Café sur la ville. Donc, je demande à cette auguste assemblée de bien vouloir approuver les termes de la convention de partenariat avec la sauvegarde qui vous ont été envoyés dans le cadre de l'annexe qui accompagne cette note, d'autoriser le maire à signer la convention de partenariat, d'accorder le versement d'une subvention exceptionnelle de 4 700 € pour la réalisation de ce chantier d'insertion, en précisant évidemment que cette dépense est inscrite au budget de l'exercice en cours. Et je vous invite tous, si vous votez cette note, à venir samedi matin pour le premier repair vélo
Si vous avez des vélos à réparer, venez, vous êtes tous les bienvenus. Merci Christine, et tu m'as devancé, ce que je voulais dire. Bon, bah écoute, t'en as fait l'annonce. Avez-vous des questions par rapport à cette note? Pas de questions, on passe donc au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Rien de tout cela. Adopté à l'unanimité. Merci Christine. Le 14e point à l'ordre du jour, il s'agit de l'évolution du système tarifaire pour le centre social et le service jeunesse. Le rapporteur est Audrey Nakache. Audrey, tu as la parole, pardon. Appuie sur le bouton. Merci. Ça fonctionne. Merci, monsieur le maire. Donc, il s'agit de la refonte du système tarifaire du centre social et du service jeunesse. Donc, au regard de la situation économique actuelle et afin de poursuivre la dynamique initiée en 2021 autour de la tarification du centre social, il semblait approprié et bien, tout simplement de poursuivre nos efforts en faveur des Jocassiens avec une tarification plus juste et plus équitable. Donc, cette refonte a plusieurs objectifs, celui de favoriser l'accessibilité aux activités à tous les usagers fréquentant le centre social et le service jeunesse, proposer une tarification plus juste, plus équitable et solidaire au taux d'effort, accroître la mixité sociale en évitant l'exclusion tarifaire et enfin uniformiser et harmoniser l'application de la tarification au taux d'effort à l'ensemble des activités de la collectivité, comme c'est déjà le cas notamment sur le service petite enfance et récemment à l'enfance. Donc une politique tarifaire sur la base d'un taux d'effort appliqué au quotient familial de la CAF qui permettra donc une facturation plus juste et en meilleure adéquation avec les revenus. Donc un tarif plancher pour les QF de 0 à 500, l'application du taux d'effort pour les QF situés entre 500 et 1825, un tarif plafond pour les QF à partir de 1825 et un tarif hors commune au pourcentage, soit 100% du coût de revient de la sortie. Et enfin, un tarif unique pour les séjours famille à 45 € par adulte et 20 € pour enfant. Vous avez en annexe l'ensemble des détails des différents coûts avec des tarifs différents selon le centre social, le service jeunesse. N'hésitez pas à les lire. En termes d'impact de ressources, donc la révision des tarifs va impacter les recettes avec une baisse qui est prévue à hauteur de 28% sur tous les secteurs confondus sur 2024, soit un montant de 1 920 €. Néanmoins, une aide au développement social à hauteur de 2 000 € est versée par la CAF pour les sorties familles. Une aide de la CNAV finance les sorties et activités seniors à hauteur de 1 500 €. Et la prestation de services jeunes s'élève à hauteur de 2 000 €. Donc, il est demandé à l'Assemblée de bien vouloir approuver les principes suivants du système de tarification à compter du 1er septembre 2024 pour le centre social et le service jeunesse. Donc, l'utilisation d'un système au taux d'effort pour calculer les tarifs applicables aux usagers. Fixation de la borne inférieure QFCAF 500, borne supérieure QFCAF 1825. Approuver les annexes à la délibération comprenant l'ensemble des éléments détaillés applicable à la tarification à partir du 1er septembre 2024, approuver les annexes à la délibération pour le séjour famille à compter là du 1er avril 2024, modifier l'article 4 du règlement intérieur du centre social, autoriser monsieur le maire ou son représentant à entreprendre toutes les démarches et à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération. Et enfin, préciser que les recettes correspondantes sont prévues au budget 2024. Merci Audrey. Avez-vous des questions par rapport à cette note? Madame Cordier. Oui, le problème, c'est le même problème que pour les services scolaires et périscolaires. Il va y avoir des familles qui vont se voir imposer une augmentation qui peut être très forte. Alors, globalement, vous avez calculé que ça serait plutôt en baisse, mais c'est, tant qu'on ne sait pas, c'est quand même un peu problématique. Donc, nous voterons contre. Alors, non, c'est pas globalement, on a estimé que ce sera en baisse. Ce sera en baisse, en fait. Oui. Voilà, c'est-à-dire que le montant, si vous prenez le QF plafond, donc la borne supérieure QF-CAF 1825, finalement, le tarif sera 50% du coût de la sortie, l'équivalent de ce qu'il est aujourd'hui proposé dans le règlement intérieur du centre social. Donc, a priori, ça devrait pas être... les usagers ne seront pas impactés. Notre volonté, elle n'est pas là.
c'est pas clair. Je vois pas où c'est pas clair. Dites-moi où c'est pas clair. Alors le plafond est à 50% aujourd'hui au maximum. Et bah, à partir de 1825, ils seront au plafond. Et ils ne bougeront pas. Voilà. Donc tout le reste sera en dessous. Voilà la différence. Merci Audrey. Merci Mme Cordier. Pas d'autres questions. Donc on passe au vote. Y a-t-il des votes contre ? Si vote contre, la diminution de. Vous avez raison. Des abstentions. Pas d'abstention. Donc adopté à la majorité. Merci Audrey. Quinzième point à l'ordre du jour, il s'agit de l'actualisation de la tarification des séjours enfance jeunesse. Allez, 15e rapporteur, Don Abbas Boukhari. Abbas sur la parole. Merci Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Alors dans la continuité du travail de refonte de tarification scolaire qu'on a voté au mois de décembre dernier, et celle proposée à l'instant par Madame Lacache. La collectivité se propose également de réviser les tarifs des séjours enfance et jeunesse. La nouvelle tarification proposée a pour objectif de mettre en place une tarification qui colle au plus juste à la situation financière des familles et de favoriser l'accès aux activités à tous, d'accroître en fait la mixité sociale en évitant l'exclusion tarifaire et surtout de proposer un prix pour une activité qui soit plus juste, plus équitable et surtout plus solidaire en appliquant un taux d'effort, un prix plancher et un prix plafond. Alors, il est proposé aujourd'hui d'approuver les principes suivants du système de tarification pour les séjours enfance et jeunesse à compter de l'année 2024. Donc, la fixation de la borne inférieure au quotient familial CAF inférieur à 500, l'utilisation en fait, du taux d'effort entre les bornes 500 et 1825, fixer une borne supérieure pour les QF-CAF supérieure à 1825, d'approuver les éléments suivant le calcul de participation des familles, suivant le tableau qui est indiqué, de modifier les règles de séjour enfance, le règlement pardon, des séjours enfance et jeunesse, et de préciser que les recettes correspondantes sont inscrites au budget communal 2024. Merci Abbas. Avez-vous des questions par rapport à cette note, qui est dans la même veine que la précédente ? Je ne vois pas de main levée, donc on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre cette note ? Un vote contre ? Un vote contre ? Des abstentions ? Donc 5 abstentions, donc adoptées à la majorité. Je vous remercie. Allez, point numéro 16 à l'ordre du jour. Il s'agit de l'approbation de... Ah, pardon. Il y a une personne qui est sortie du conseil municipal, M. Bachir, comme il est malade, il a quitté et qui m'a transmis son pouvoir. Donc il n'a pas pris part au vote pour la note numéro 15. Jusqu'au suivant. Donc 16e point à l'ordre du jour, il s'agit de l'approbation de la convention d'objectifs et de financement des prestations de services jeunes avec la Caisse d'allocation familiale du Val-d'Oise. Le rapporteur est Don Abbas Boukhari. Abbas sur la parole. Merci Monsieur le maire. Alors comme vous le savez, l'éducation et la jeunesse en fait sont les priorités de notre mandat. Donc depuis 2020, nous avons engagé de nombreux projets en direction du public 11-25. Et nous avons procédé également à la réorganisation de ce service afin de déployer au mieux notre politique jeunesse et donner plus de lisibilité aux actions qui sont menées. La ville souhaite aujourd'hui formaliser cet engagement avec les jeunes auprès de la CAF par la mise en place d'une convention d'objectifs, prestation de services CAF, ou jeunes, pardon. Cette convention établie pour 3 ans donne lieu à des financements ce qui permettra de soutenir notre structure jeunesse dans ses actions et ses projets. Le montant prévisionnel de la prestation de services jeunes pour 2024 est estimé à 26 998 euros. Alors, il est demandé à l'Assemblée de bien vouloir approuver les termes de la convention d'objectifs et de financement prestation de services jeunes avec la CAF du Val-d'Oise, d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention ci annexée. Merci Abbas. Y a-t-il des questions par rapport à cette note ? Il n'y en a pas. On passe au vote. Y a-t-il des votes contre ?
Des abstentions? Rien de cela. Adopté à l'unanimité. 17e point à l'ordre du jour. Il s'agit du renouvellement du contrat de ville 2024-2030. Le rapporteur est Donna Bazboukari. Abbas sur la parole. Merci. Alors, l'engagement quartier 2030 est le nouveau contrat de ville établi pour 6 ans qui permet de mettre en place une stratégie et des actions concrètes réduisant les inégalités dans les quartiers prioritaires et améliorant la qualité de la vie des habitants. En ce qui nous concerne, il s'agit du quartier QPV de la Côte des Carrières qu'on partage avec Gourial et les Toupets. Suite aux différents projets proposés par la ville, l'État nous octroie pour l'année 2024 dans le cadre de notre politique de la ville, la somme de 37 500 euros. Donc, il est demandé aux membres du conseil municipal de bien vouloir approuver le document cadre du contrat de ville engagement quartier 2030, d'autoriser le maire et son représentant à signer le contrat de ville engagement quartier 2030, ainsi que tous les avenants à venir permettant de préciser les actions de politique de la ville. D'autoriser Monsieur le maire à signer toutes les demandes de subventions auprès des partenaires pour les actions répondant aux enjeux du contrat, notamment dans le cadre des appels à projets annuels de la politique de la ville, mais aussi du fonds interministériel de prévention de la délinquance. Merci Abbas. Alors j'ai un petit mot pour les services et pour les agents de la ville qui ont fait un excellent travail pour obtenir une telle subvention. Hein, et quand on fait le ratio, le QPV à Jouy-Moutier, c'est 10% du QPV global, hein, Toupet et Valenchard, hein, puisque c'est ça qui concerne la ville à Jouy-Moutier. Et je peux vous dire que mes collègues maires sont jaloux du travail fourni par nos services, puisqu'on a obtenu une très très belle enveloppe qui permet de faire de vrais projets sur Jouy-Moutier. Et je remercie également Abbas qui suit ça de près. Du travail. Service, oui. Avez-vous des questions par rapport à cette note, Madame Fournier? Alors, serait-il possible, parce que je l'avais demandé l'année dernière à Monsieur Lebon, je crois que c'est lui qui est référent sur... Il était référent. Ah, il n'est plus? Non. D'accord. Alors, vous avez un référent? Monsieur Boukari. D'accord. OK. Bah, moi, j'étais... Politique jeunesse, hein. Politique jeunesse, politique de la ville. Oui, mais comme Monsieur Lebon s'était apparemment présenté comme référent sur le quartier, est-ce qu'on pourrait avoir un petit bilan des opérations qui ont été menées depuis un an? Parce que je l'avais demandé, moi, à Monsieur Lebon, l'année dernière. D'accord. Bon, on fera un retour. On fera parce qu'il faut quand même savoir que la subvention fait que tous les bailleurs sociaux sont exonérés de taxes en contrepartie. Donc, ils ne payent pas de taxes à la commune. Donc, il faut voir un petit peu entre la subvention et ce que ça aurait pu nous rapporter, ce qui est le plus intéressant. Voilà. Bah, je peux vous dire que le travail des services, hein, et on vous fera un retour des projets qui ont été mis en place l'an passé et cette année. Je peux vous dire que voilà, les services ont très bien travaillé, ce qui nous a permis de récolter pas mal de subventions de l'État, hein, puisque c'est quand même la préfecture et la préfète déléguée à l'égalité des chances qui nous octroie cette enveloppe substantielle, et on vous fera un retour. Oui, parce que c'est vrai que par le passé, comme on partageait ce contrat de ville avec Vauréal, c'était Vauréal qui récupérait beaucoup de financement, et nous, on était un petit peu les parents pauvres de ce contrat de ville. Donc voilà, on peut avoir un petit bilan des actions qui vont être faites, qui ont été faites déjà sur l'année passée, et qui seront faites les projets sur l'année future. Sans problème. Et n'hésitez pas à regarder les réseaux Internet ou du moins Facebook de la ville. Tout est bien, bien mis en avant à chaque fois. Okay, bravo. Merci aux équipes. Pas d'autres interventions. Donc, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Rien de tout cela. Donc, adopté à l'unanimité. Merci Abbas. Je vous rappelle que le point numéro 18 qui concerne l'approbation des conventions de réservation de logements locatifs sociaux est retiré de l'ordre du jour et sera présenté ultérieurement. Donc nous passons immédiatement au point numéro 19. Il s'agit donc de l'approbation d'une convention tripartite de résidence en milieu scolaire. Le rapporteur est Muriel Tartarin. Muriel, tu as la parole. Merci Monsieur le maire. Alors la ville est engagée dans une démarche de développement éducation artistique et culturelle. À ce titre, la résidence d'artistes en milieu scolaire est l'un des dispositifs privilégiés pour favoriser la rencontre entre les artistes et les jeunes. Cela permet aux jeunes de découvrir la démarche de création d'un artiste et de se familiariser avec la structure culturelle. L'artiste, lui, peut partager sa réflexion et nourrir son travail artistique.
et l'établissement scolaire peut affirmer le volet culturel de son projet d'établissement. Dans le cadre de la saison 2023-2024, le centre culturel accueille la résidence Mémoire d'eau autour d'un projet de création de spectacle, Kuma Electro Jazz, avec notamment une représentation, je le rappelle, le samedi 27 avril, en salle. Il s'agit d'un conte mêlant musique, théâtre, danse, poésie, dessin et photographie. Ce spectacle propose d'interroger les mémoires sur des peuples, sur l'esclavage, tout en célébrant les commémorations des mémoires sur la traite négrienne, de l'esclavage et de leurs abolitions. Dans le cadre de cette résidence, il est proposé du Collège Henri Guillaumet le parcours EAC suivant. Un spectacle avec une rencontre, des ateliers, une répétition que Raclet le jeudi lié à la résidence. S'élève à 9 000 euros. La collectivité et de l'intérêt de la demande pour l'animation du territoire. Des subventions hors fonctionnement sont également accordées pour des événements spécifiques organisés par certaines associations. La délibération présente également des régularisations, notamment pour corriger un trop-perçu de subventions précédentes. Je vous résume le détail des montants des subventions à verser. 35 associations seraient bénéficiaires de subventions de fonctionnement d'un montant total de 72 615 euros. Je rappelle que ces montants sont attribués selon les projets de chaque association. 4 associations bénéficieraient de subventions pour soutien et pilotage à des événements, soit un montant total de 4 850 euros. Une association bénéficierait d'une subvention pour la participation à l'achat de matériel d'un montant de 1 000 euros. Enfin, 6 associations bénéficieraient de subventions pour le fonctionnement des associations scolaires du premier et du second degré pour un montant total de 4 147,90 euros. Après examen des demandes et en dépit d'un contexte financier fortement marqué par la contrainte budgétaire, il est donc proposé de soutenir les associations pour un montant total de 82 612,90 euros. Quant aux demandes de subventions pour les associations dites solidaires, elles sont prises en charge par le CCAS. Il est demandé à l'Assemblée de bien vouloir accorder les montants des subventions à verser aux associations au titre de l'année 2024, selon la liste qui est mise dans la note. Et qui apparaît au tableau actuellement. Merci Julie. Y a-t-il des questions, messieurs, dames, les élus ? C'est bon. Laurence, tu as la parole. Merci. Dans la liste des associations apparaît une nouvelle association qui jusqu'ici n'avait pas été citée. C'était Boost ton énergie. Exactement. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur leurs activités, hein, parce que j'ai pas bien site de la ville, j'ai pas bien vu ce qu'ils pratiquaient. Alors en fait, ils pratiquent du fitness et de la randonnée, de la marche. Ils font ça et là, effectivement, ils ont présenté un projet contre la sédentarité. De subvention, est-ce qu'il y avait particulier pour bénéficier d'une subvention Les critères qui ouvrait droit à une subvention. Alors je vais vous rappeler à part le projet qui est situé. Alors je vais vous rappeler donc les critères d'attribution qui se réfèrent au référentiel. Donc c'est d'être une association qui est déclarée à but non lucratif, conformément à la loi du 1er juillet 1901. L'association doit être jocassienne, sauf si le projet ou l'objet présente un intérêt direct pour la ville et ses habitants et déclaré conformément à la loi 1901. L'association doit exercer une activité réelle sur le territoire communal depuis un an au moins. Donc cette association-là dont on parlait, ça va faire 3 ans maintenant qu'elle est sur la commune. Le nombre d'adhérents et de licenciés jocassiens, la tranche d'âge, la spécificité du public, le niveau de pratique, l'engagement dans la vie locale, l'absence de caractère politique ou religieux, le nombre d'adhérents et de bénévoles doit distinguer la proportion de jocassiens. Le budget global doit être équilibré, la conformité du fonctionnement avec la réglementation. Voilà. Donc ça, ce sont effectivement les critères d'attribution. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bon, merci Julie, merci Laurence. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention ? Ou alors on passe au vote. Allez, y a-t-il des votes contre ?
Des abstentions? Rien de tout cela adopté à l'unanimité. Merci Julie. On va faire une pause, puisqu'à priori, il y a une rupture de faisceau de diffusion. Donc on m'a demandé d'interrompre et de suspendre le conseil municipal pendant 5 minutes. J'en suis désolé. Vous pouvez sortir pour ceux qui veulent aller aux toilettes, fumer, voilà. Il n'y a plus de faisceau pour l'instant, donc... Allez, j'invite le conseil municipal à se réinstaller, s'il vous plaît. Allez, nous reprenons le cours de l'ordre du jour. On est au point numéro 21. Point numéro 21, il s'agit du dispositif PASS associatif 2023-2024. Le rapporteur est Julie Périgaud. Parole ? Oui, pardon. Je viens d'avoir un message. Apparemment, le vote des subventions n'a pas été retransmis en public. Oui, il y a un bug. Est-ce qu'on peut le repasser? On va passer au vote. Pour, voilà, ouais. Pour les gens qui regardent le conseil en direct, je pense que c'est peut-être intéressant qu'ils sachent. Que tout le monde a voté pour. Voilà. Allez, donc on repasse au vote pour ceux qui nous regardent sur les réseaux sociaux. Pour la note numéro 20, l'attribution de subventions de fonctionnement aux associations au titre de l'année 2024. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Rien de tout cela. Donc adopté à l'unanimité. Merci. Point numéro 21 à l'ordre du jour, il s'agit du dispositif PASS associatif 2023-2024. Le rapporteur est Julie Périgaud. Julie, tu as la parole.
Merci, monsieur le maire. Il s'agit ici du versement d'une subvention aux associations dans le cadre du dispositif du pass associatif. Le pass associatif, instauré depuis la rentrée 2012-2013 par la ville de Jouy-le-Moutier, Allez, on reprend les débats. Julie, pour l'instant, je ne peux pas te donner la parole, mais ça va arriver. Appuie sur ton bouton. C'est bon. Allez, c'est parti. Alors, il s'agit ici du versement d'une subvention aux associations dans le cadre du dispositif du pass associatif.
Le pass associatif, instauré depuis la rentrée 2012-2013 par la ville de Jouy-le-Moutier, par vous, monsieur Éric Lobrige, je crois, vise à faciliter l'accès des jeunes aux activités sportives, culturelles et de loisirs sur la commune. Ce dispositif est destiné aux enfants jocassiens âgés de 6 à 17 ans, dont les parents ont des revenus modestes avec un quotient familial inférieur ou égal à 500 euros. Il permet une réduction sur le montant des inscriptions à des activités associatives pratiquées sur la commune. Je vous rappelle la procédure de ce dispositif. Les associations signent une convention avec la municipalité et accordent une réduction aux familles bénéficiaires. Les formulaires des familles éligibles doivent être retournés à la vie associative avant le 31 décembre de chaque année scolaire. La ville verse ensuite une subvention aux associations, réduisant ainsi le montant à payer par les familles concernées. Les inscriptions se font directement auprès des associations après le forum des associations. Le conseil municipal examine les dossiers et approuve les subventions. On peut voir dans la note que les bilans quantitatifs montrent une légère augmentation des demandes et de la participation de la ville pour l'année 2023-2024 par rapport à l'année précédente. Il est demandé à l'Assemblée de bien vouloir approuver le versement d'une subvention dans le cadre du dispositif passe associatif aux subventions donc suivantes. Pour la régularisation de la saison 2022-23 d'un montant de 535 euros. Et d'approuver le versement d'une subvention dans le cadre du dispositif passe associatif aux associations suivantes pour la saison 2023-2024 d'un montant de 3 484 euros. Et de préciser que les crédits sont inscrits au budget 2024 à l'imputation 6574/025. Merci Julie. Donc vous avez les tableaux qui apparaissent sur l'écran derrière moi, avec les associations qui ont fait les demandes et les subventions attribuées dans le cadre du pass associatif. Est-ce que vous avez des questions, Madame Fournier ? Alors, c'est pas une question, c'est juste une intervention. Ce type de dispositif existait déjà sous notre mandat. Donc c'est effectivement un dispositif solidaire. Tout à fait. Et ce type de dispositif, nous continuerons à voter pour. Non, c'était juste par rapport aux notes précédentes où nous avons voté contre. Donc j'ai fait un petit lapsus. Il y a déjà des dispositifs qui sont à destination des familles qui ont des revenus modestes. Et celui-ci, voilà, nous l'avions initié et nous continuerons à voter pour. Il a été initié en 2012-2013, mais merci pour... Il a été continué sous votre mandat. Merci. Vous l'avez poursuivi. Oui, vous l'avez mandat. Poursuivi. Ouais, voilà, c'est voilà. Ça. Ouais, donc, super, merci. Ah, les bonnes choses, il faut les conserver et c'est important. Alors, y a-t-il des... S'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention, y a-t-il des votes contre ? Il n'y en a pas, hein. Des abstentions non plus. Donc, adopté à l'unanimité. Merci. Merci, Julie. Le 22e point à l'ordre du jour, il s'agit de l'information des décisions prises dans le cadre de l'article L2122.22 du Code général des collectivités territoriales. Vous avez le tableau qui apparaît derrière moi, en haut. Donc, ce n'est pas soumis au vote. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces décisions du maire ? Il n'y en a pas. Donc, nous en avons fini avec l'ordre du jour du conseil municipal. Nous allons maintenant passer aux questions reçues, aux questions d'opposition reçues par le groupe Pour Servir Jouy. Et je cède donc la parole à Françoise Cordier, chef de file de l'opposition. Vous avez la parole. Première question. Vous avez pris un arrêté en date du 4 mars 2024 interdisant la totalité de la rue de l'Église à tous les véhicules à moteur, exception faite des riverains, des services de la commune, des véhicules de service et de secours. Le non-respect de cet arrêté entraînera des poursuites conformément au code de la route. Ça, c'est votre arrêté. Un panneau sans interdit sauf riverain a été installé dans les deux sens. La notion sauf riverain n'existe pas dans le code de la route et la verbalisation sera donc plus que litigieuse. Cet arrêté est discriminatoire pour tous les jocassiens qui ne peuvent plus emprunter une voirie pourtant propriété du domaine communal.
Si vous avez pris cet arrêté, c'est bien que vous pouvez y exercer vos pouvoirs de police, ce qui n'est pas le cas sur une voirie privée. À partir de ce jour, l'entretien courant, nettoyage, petits travaux de voirie, ainsi que la réfection totale de cette voirie dégradée, seront payés par l'ensemble des habitants avec leurs impôts, mais interdiction pour eux d'y passer. Alors, vous allez argumenter que cette rue sert de raccourci à des véhicules qui veulent éviter le rond-point du théâtre et le boulevard de l'Oise, ne respectant pas la vitesse limitée et l'absence de trottoir. D'autres solutions existent que la privatisation illégale. Des aménagements pour réduire la vitesse, un cheminement piéton avec des potelets pourraient être envisagés. Alors, est-ce que vous allez maintenir cet arrêté? Et si oui, pourquoi pas d'autres voiries qui seraient mises sur un pied d'équité, si l'on suit votre raisonnement, par exemple la Grande Rue? Et pour la Grande Rue, vous régleriez le problème de la circulation de plus ou moins 7000 véhicules par jour. Et le problème de la rue de la Vallée, qui ne relève pas de vos pouvoirs de police, serait aussi réglé avec des trottoirs, alors que ces voiries ont des trottoirs très étroits et des dépassements de vitesse réguliers. Merci pour la question. Je donne la parole à Éric Lobry. Éric. Ça fonctionne. Quand j'ai vu votre question, Madame Cordis, j'ai été un petit peu surpris et étonné, parce que je sais que vous connaissez l'histoire de la ville. Vous vous souvenez la première fois qu'il a été installé des panneaux interdits sauf riverains rue de l'Église? C'était au début des années 2000. Alors, celui côté boulevard des Cancours, rue de l'Église, a été retiré en 2013. Et celui situé avenue des Brusacs, angle rue de l'Église, a été retiré en 2019. Donc, vous connaissiez déjà l'installation à l'époque, donc par Gabriel Lédé. Hein, des panneaux interdiction, donc c'était, vous vous souvenez, je pense, et puis de l'arrêté, vous en souvenez aussi, c'était interdiction sauf riverain, livreur et service. C'était ça. Hein. Donc, en fait, on n'a fait que remettre en place un dispositif qui avait été mis par un des prédécesseurs d'il y a quelques années, hein, 25 ans à peu près, qu'on a remis en place. Alors, somme toute, je vais vous donner quelques petites informations quand même de mise à jour de la situation de ce linéaire qui a du mal à évoluer, en tous les cas, quant à son statut. Alors, il est vrai que le code de la route, comme le code des collectivités territoriales, ne prévoit pas de panneaux de sens interdit sauf riverain. Voilà, ça ne prévoit pas. Alors, le panonceau, donc, c'est celui qui indique le sauf riverain, qui n'est pas prévu, donc, hein, mais qui n'est pas exclu en tous les cas de l'instruction routière. Parce que vous savez qu'il en existe un peu partout dans différentes villes. Et voilà. Et malgré tout, il n'y a pas d'infraction, effectivement, de retenue au regard, en tous les cas, du code de la route. Alors la rue de l'Église, vous connaissez son statut, il s'agit d'une voie privée, avec un gestionnaire qui est absent. Donc, nous sommes donc dans une rue privée avec une utilisation de circulation publique, et dès lors, c'est le pouvoir de police du maire qui s'applique. Alors, on a fait cette réinstallation, je puis dire, hein, de ces panneaux, parce que ce n'est pas une nouveauté, hein, je ne vais pas me répéter. On fera un point dans 2-3 mois quand même avec les riverains, d'une part, et puis un peu plus généralement, de voir un peu comment ça circule dans cette voie suite à l'installation de ces panneaux. Et puis, on verra ensuite hein, si l'impact est effectivement flagrant ou s'il n'y a aucun effet. Et à ce moment-là, on prendra voilà, une autre disposition. Je rappelle tout de même qu'on essaye de préserver ce linéaire pour la bonne et simple raison qu'on n'est plus dans des voies, je dirais, entre guillemets, de transit sur la ville. On est dans une rue quand même de quartier. Et c'est vrai qu'on se rend compte, et vous le savez très bien, que cette voie est utilisée pour éviter évidemment de se retrouver dans les bouchons du boulevard des Cancours, etc. Mais on est malgré tout dans une rue quartier. Et on se doit quand même de préserver
quand même un calme à l'intérieur de ces linéaires. Alors après, sur le statut, bon, on y réfléchit, on regarde un peu comment on peut évoluer. Je pense que durant le mandat de Jean-Christophe Vérine, vous y avez aussi réfléchi. Je sais que vous avez été sollicité, d'ailleurs, Mme Fournier, vous avez fait un courrier hein, pour rappeler que voilà, on ne pouvait pas installer n'importe quoi non plus dans ce linéaire, ce qui est tout à fait juste, et notamment les fameux ralentisseurs d'Audane, parce que c'est vrai que les riverains en réclament, mais bon, il ne faut pas les mettre à proximité de leur domicile, parce que ça provoque des nuisances. Après, sur le statut, voilà, c'est un sujet complexe, comme vous le savez. Bon, je ne vous promets pas qu'on va y réfléchir dans les semaines qui viennent, mais c'est vrai que c'est un sujet, parce que c'est une voie malheureusement privée, où il n'y a personne qui la gère, où on n'a pas d'ASL, mais qui malgré tout est utilisée en termes de circulation publique. Et c'est là où c'est une grande difficulté. Mais on refera un point en tous les cas par rapport à cette réinstallation des panneaux et on regardera si l'impact est positif ou pas. Merci Eric. Question suivante. Non, il y a eu la question, on a répondu, Madame Fournier. C'est comme ça. J'en suis désolé. C'est la règle. Écrivez-moi. Envoyez-moi un mail. Madame Cordier. La poste, deuxième question, la poste vient-elle bien s'installer dans le programme situé au lieu et à place de l'ancienne station BP ? Je vous réponds tout de suite non, et on travaille sur une relocalisation sur les aigrés, sur la requalification complète des aigrés, en fait. Là où elle est, elle restera. Question troisième suivante. Question. Puisqu'on ne peut pas rebondir, alors on continue. Troisième question, avez-vous des informations sur une éventuelle fermeture de la piscine ? Alors, si vous posez la question, c'est que vous pensez avoir des informations. Et oui. Je Il y suis a même maire une de la ville. Qui c'est très bien, je lis les articles un peu partout. Je vais redire ce que j'ai dit à ceux que je croise dans la piscine de Joué-Moutier ne fermera pas. Et ça fait débat au niveau de l'agglomération, mais c'est ainsi. C'est Donc, bien. On ne fermera pas. Merci. Quatrième question, le parking sous l'immeuble 3F est opérationnel, est-il accessible aux clients d'Intermarché comme initialement prévu dans le projet ? Je redonne la parole à Eric Lobry. Alors comme vous le savez, on a deux niveaux hein, en sous-sol. Le deuxième sous-sol est lui utilisé par donc, les locataires. Il a été ouvert dès l'arrivée des premiers locataires et il reste ce premier sous-sol. Donc, réservé aux utilisateurs du magasin Intermarché. On a eu une commission de sécurité départementale en 2021 qui a donc donné un avis favorable global sur les deux sous-sols et y compris les logements. Donc, ça veut dire que le sous-sol en question concernant le RP lui a été rétrocédé, restant à charge pour celui-ci, donc le gérant de l'Intermarché, de l'aménager. Et c'est là où il y a eu des petites difficultés, et notamment entre l'aménageur et le gérant de l'Intermarché. Et ce qui fait que ça retarde, même si nous, au niveau municipalité, nous avons relancé à plusieurs reprises le gérant de l'Intermarché pour qu'il puisse nous solliciter pour réaliser une commission de sécurité sur son premier sous-sol, mais on attend toujours. Et donc on a découvert, hein, même si bon, on n'a pas le loisir et puis l'autorité non plus pour se mêler d'affaires privées, qu'il y avait un petit souci entre l'aménageur, donc la SOPEC, hein, et puis le gérant de l'Intermarché, ce qui fait que ça retarde et pour l'instant, bah, ça a l'air d'être un petit peu bloqué. Et c'est vrai que ça nous bloque nous aussi parce que ça nous empêche d'organiser un turnover un peu plus important sur le quartier. Hein, parce que s'il était ouvert, c'est vrai que ça faciliterait. Et d'ailleurs, ce serait bénéfique également pour le gérant de l'Intermarché, ce qu'on lui a fait comprendre. Mais bon, apparemment, ça a l'air de bloquer sévèrement. Donc, on est en train de préparer un courrier. Il y a déjà des courriers qui sont partis, mais bon, là, on va le relancer sérieusement parce qu'il y a aussi d'autres soucis, notamment son aire de livraison en face de l'entrée de l'Intermarché, vous voyez, qui en fait ne sert que très rarement à des livraisons. Elles sont plutôt effectuées rue de l'Amitié. Donc voilà, il faut qu'on refasse un point avec lui. Mais c'est vrai que si on pouvait débloquer déjà cette commission de sécurité, qu'elle puisse être organisée pour
ensuite avoir une ouverture au public, ce serait déjà une bonne chose. Mais voilà, j'espère qu'ils arriveront à s'entendre un jour prochainement. Merci Eric. Cinquième question. Quel projet avez-vous prévu pour la maison des associations située Côte des Carrières, puisque cet équipement n'accueille plus d'associations, que vous avez les associations étant relocalisées sur d'autres sites? Alors, je vais rectifier juste ce que vous dites. Hein. Elles ne sont pas relocalisées, puisque pour l'instant, elles continuent à aller à la MDA, à Côte des Carrières, hein, pour que les gens qui nous écoutent comprennent. Elles sont toujours sur place, elles y sont encore. Hein. Elles seront relocalisées, effectivement, et actuellement, on travaille sur un projet, et dès que ce projet sera abouti, je reviendrai vers vous, conseil municipal, pour vous exposer ce qui sera prévu sur place. Donc, on travaille le projet. Sixième question. Nous souhaitons un bilan du nombre d'entrées pour chaque spectacle du Théâtre de Jouy, puisque ma préoccupation, c'est les spectacles au théâtre et la qualité des spectacles qui sont offerts au théâtre pour l'ensemble de tous les publics. Donc je souhaitais un bilan, puisque ce que vous nous avez donné au dernier conseil municipal ne nous a pas semblé satisfaisant. Et nous voulions un bilan et une comparaison entre les entrées pour ce théâtre de Jouy entre 2022 et 2023 et une comparaison avec l'année d'avant. Je donne donc la parole à Muriel Tartarin pour vous répondre. Muriel, tu as la parole. Oui, merci. Alors, je vais vous donner les chiffres de fréquentation. Uniquement des spectacles en salle, hors scolaire, hors proposition hors les murs. Pour la saison 2021-2022, 2968 spectacles en salle. D'accord ? Oui, entrée billetterie. Hein, d'accord ? Oui, spectacle, spectateur. Saison 2022-2023, 2365 spectateurs, avec une diminution des propositions en salle pour augmenter la participation hors les murs. Vous m'avez posé la question sur la jauge. Donc nous sommes à 300 en assis, 900 en debout, la possibilité d'avoir une configuration mixte avec 500 places debout, 100 places assises. C'était le cas par exemple pour les LEJ, le dernier concert. Voilà. Alors, juste pour être bien clair, vous m'avez déjà interpellé à plusieurs reprises sur la ville pour me faire part que, à titre personnel, vous n'étiez pas satisfaite de la programmation. Cependant, moi, en tant qu'élue, ma préoccupation, ce sont les Jocassiens, et c'est de proposer une programmation riche et variée qui puisse convenir à l'ensemble des Jocassiens, une programmation notamment ouverte sur l'extérieur, avec un axe fort sur l'éducation artistique et culturelle, j'ai déjà expliqué plein de fois, et puis développer les propositions sur l'espace public. Je rappelle que c'est en accès libre pour tous les Jocassiens, et c'est aussi ça l'accès à la culture. Alors, je vais juste revenir sur votre dernière question du dernier conseil, parce que j'ai entendu là en début de conseil que ça n'était pas clair. Je vais clarifier peut-être deux chiffres, histoire qu'on soit bien en toute transparence. Je vous avais, alors, sur la dernière question, là, vous me parlez en saison, vous m'aviez parlé en année civile, la dernière fois. Donc là, on va parler en année civile. 2023, je vous avais indiqué, par rapport à l'année de référence 2019, une augmentation de 40%. Je vais vous donner les chiffres, du coup. Moi, je parle de chiffres salles, bien sûr, avec les scolaires et les propositions hors les murs. Je vous donne les chiffres. 9915 spectateurs, tout compris. Voilà. J'avais pris comme année de référence l'année 2019, je vais vous donner les chiffres, 5937, d'où les 40% d'augmentation. Alors, moi, je ne veux pas rentrer dans une polémique, Madame Cordier, mais juste, je rappelle en toute transparence et très simplement, 2019, c'est votre année de mandat. Voilà, donc une évolution de 40%. Je comprends, vous préférez des spectacles en salle, vous avez peut-être une sensibilité, mais voilà. L'idée, c'est de faire aussi des propositions pour l'ensemble des Jocassiens, que ce soit des habitués, que ce soit des jeunes, que ce soit des familles, que ce soit aussi des personnes qui sont éloignées de la culture, qui n'ont peut-être pas, qui ne rentrent pas facilement dans cet équipement. C'est ça le projet culturel, Madame Cordier. Voilà. Merci, Muriel, pour cette réponse. Question suivante, Madame Cordier.
Septième question. Il y a quelques semaines, notre ville s'est retrouvée sous les projecteurs de la presse écrite et télévisuelle. Chaque semaine, durant la nuit, un grand nombre de voitures étaient dépouillées de leurs capots, optiques et autres pièces détachées. Depuis le début de ces vandalismes, qu'avez-vous pris comme décision pour enrayer ces vols subis par un grand nombre de jocassiens? Je donne la parole à notre spécialiste Eric Lobry. Super. Concernant les victimes de vols d'accessoires de véhicules, ils ont donc déposé plainte. Et quand on dépose plainte, il y a une enquête qui se met en place au niveau pénal, obligatoirement. C'est le sens d'une plainte. Ah ben si, ça c'est la loi. Quand il y a un dépôt de plainte... Mais qu'est-ce que vous en savez? Et obligatoirement, il y a une enquête, mais laissez-moi terminer mon propos. On ne fait pas un débat, je réponds à votre question. Et puis après, vous en faites ce que vous voulez. Concernant nos dispositions, on ne pouvait pas communiquer du coup sur les, non pas décisions, mais dispositions que nous aurions pu prendre depuis la constatation de ces différents faits. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a travaillé de concert avec le commissariat de police. On a régulièrement échangé pour savoir où ça en était, comment ça évoluait. Et donc là, du coup, on s'est rendu compte qu'il y avait une enquête. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que dernièrement, il y a des personnes impliquées dans les vols d'accessoires sur la commune qui ont été interpellées à peu près 15 jours. Environ 8 à 9 personnes qui ont été interpellées par la police nationale. Alors, je rectifie les chiffres. Eric dit 8 à 9 personnes, effectivement, par la police nationale, mais les gendarmes aussi enquêtaient en même temps, en parallèle, et donc ils ont interpellé. Alors, il y a beaucoup de gens de la commune de Vorel qui ont été interpellés. Il faut le savoir. Donc, c'était pas si loin de nous que ça. Voilà, nos voisins nous aiment bien. Mais pas que nous, hein, ils aiment bien toute la région, hein, faut le savoir. Donc, il y a eu un gros coup de filet, il y a eu des grosses interpellations il y a une semaine. Merci, Eric. Et juste pour finir, hein, puisqu'on parlait des caméras aussi, les caméras qui sont mises en place sur la collectivité et qu'on développe, hein, bien sûr, c'est une aide à l'enquête. Hein. Les gens s'imaginent, je mets une caméra, c'est bon, je vais être sauvé. Non. Parce que ceux qui commettent les faits, ils sont grimés, ils sont cagoulés, ils sont gantés. Et la caméra ne fait que constater qu'ils ont bien volé. Cet effet, c'est bon, on sait à quelle heure, mais c'est tout. Donc n'imaginez pas qu'on met une caméra et on va interpeller tout le monde. Ça, c'est foutaise. Avant-dernière question, Madame Cordier. Pourquoi pas de service minimum assuré durant les grèves dans certaines écoles? Je donne la parole à Monsieur Boukhari. Monsieur le maire. En fait, c'est très clair, c'est très simple. En fait, il faut savoir que quelquefois, le CMA n'est pas mis en place en raison d'impossibilité d'encadrer et de garantir la sécurité des enfants. Donc, quand on n'a pas ces animateurs, on ne peut pas mettre en place le CMA. Merci Abbas. Question suivante, Madame Cordier. Dernière question. Peut-on avoir le nombre de familles qui ont vu leur tarif de cantine augmenter et de combien la hausse a-t-elle été pour ces familles? Alors, si on prend la restauration, c'est ce que vous voulez. Alors, je vais vous donner les chiffres que je peux vous donner. Je peux vous indiquer, par exemple, qu'on a plusieurs tarifs. On a d'abord le tarif plancher, donc pour le plus bas. On est à 11,8% des familles qui ont ce tarif-là. On a 39,3% des familles qui ont un taux d'effort qui fait baisser le prix de la restauration, de la prestation pour eux. On a 28% des familles dont le taux d'effort fait augmenter la tarification et 20,8% qui sont au plafond, et donc qui augmentent puisque le plafond a augmenté. Le pourcentage en fait, d'augmentation et de diminution est individualisé pour les personnes au taux d'effort. Donc ça veut dire qu'en fait, on ne peut pas donner de chiffres, d'autres chiffres que ceux-là, puisque c'est individualisé. Il y a autant de... Alors, je ne sais pas si je crois qu'elle n'écoute pas. Il y a autant de tarifs qu'il y a de personnes en fait entre le QF 500 et le QF 1825. Voilà. Alors, ce que vous voulez vous dire, c'est qu'il n'y a que 2 mois de recul, donc c'est dur de vous donner des chiffres. Les chiffres sont individualisés, hein, comme vous le savez maintenant. Hein, c'est chacun a son tarif. Il n'y a pas un tarif par bloc.
Et quand ils vous donnent les chiffres, les pourcentages, donc 28% qui ont une augmentation, et dans ces 28%, il y en a 20 qui sont au plafond. Voilà. En espérant qu'on vous ait répondu. Les questions des oppositions sont épuisées. L'ordre du jour est épuisé. Il est 22h17. Je lève donc l'ordre, le conseil municipal, pardon, je vais y arriver. Fin de journée. Hein. Je vous rappelle que nous nous reverrons le 4 juillet. Donc, prochain conseil municipal, le 4 juillet. 4 juillet, prenez date, mais on vous enverra évidemment les invitations. Je vous rappelle également, et merci Madame Toisy de me le rappeler, le 9 juin, élection européenne, tenue des bureaux de vote. Je vois qu'il y a du monde dans le public, on compte sur votre présence, les amis, pour venir nous aider à tenir ces bureaux de vote. Je vois des gens volontaires au fond, c'est parfait, j'en suis content. Le 9 juin, élection européenne. Est-ce que la régie m'entend ? Merci. Donc nous avons coupé la diffusion. Il y a